Babylone, épisode 11, salle des coffres. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop, allez. Hop, allez. Et voilà, alors que le soleil se couche sur ce magnifique monde de Babylone, eh bien ma salle des coffres est fin prête à accueillir mes coffres. Et ce sera donc plus ou moins mon avant-poste pour les épisodes de Babylone à venir. Je ne sais pas exactement ce qu'on y fera, mais on continuera probablement Villebrick, cette sympathique ville à base de briques, comme en témoigne la ferme à canne à sucre juste derrière moi. Je vous fais la vite rapidement et puis on va s'arrêter là puisque, comment vous dire, le timelapse je l'ai fait il y a un mois et puis ça fait un mois que le montage est prêt et que je n'ai pas la fin de l'épisode. Donc bon, j'imagine que je ne ferai pas grand chose de plus dans cet épisode. Pour l'instant il n'y a pas grand chose mais j'ai cette première rangée de 10 coffres doubles où j'ai stocké quelques trucs et j'ai laissé du coup ici un espace en bas pour pouvoir poser des shulker box puisque c'est vrai que c'est un item bien utile. J'ai une grille de four ici. Les commodités classiques. Puis ici, histoire de faire du stockage de masse, je me suis dit que j'allais mettre les blocs concernés. Donc là, on voit que c'est le stockage de terre, ici le stockage de cobble, le stockage de stone. Et puis donc là, bon, je vais faire un petit escalier. Puis peut-être que je stockerai des trucs un peu lambda dans des barils ou dans des conteneurs un peu sympas. Je verrai peut-être. Je n'ai pas trop d'idées, mais on verra bien. Le but, c'est pas de faire justement une salle des coffres toute prête, mais qui n'est adaptée à aucun usage, c'est plutôt de créer la salle des coffres selon l'usage. Mais c'est qu'il va faire nuit, il va être l'heure de se coucher, ma foi. Regardez comme c'est beau, la lave qui se reflète dans l'eau. Et puis ce minerai de cuivre qui brille au loin. Ah, mais je ne vais pas montrer ça non plus. J'ai fait un ascenseur, bon, je finis par ça, du coup. J'ai fait un ascenseur pour pouvoir remonter sur notre... sur le parvis de la salle des coffres, parce que je pense que ça pourrait arriver que je n'ai plus de fusée, que du coup j'arrive par en bas. Oh, comme c'est joli. Allez, sur cette magnifique scène de la nuit qui arrive derrière moi, avec les petites torches de redstone de la ferme à canne à sucre, qui éviterait un avion de s'y prendre, je vous quitte là. A bientôt pour nos futurs projets sur Babylone. Salutations.